Aywa ni ngeen ko doon waxe ci ndortel bi ba legui tay jilé dañuy dalal docteur Pape Djibril Fay nek entomologiste bu ngeen ko déggé nak moy ki nga xamanteni xam xamam dafa match ci walum ay gunoor ak lu ni mel nek spécialiste protection durable des cultures et de l'environnement manager bu Dream Valley Sénégal promoteur projet Soukali Mbayum Mango ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di la dalal jamm docteur Fay. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Oui. Je vous remercie pour ce plateau. Merci. Alors, cher Tidiane, Fanny est passé, nous avons dit ça en arrière-plan, nous avons dit mango national, nous avons dit bon moyen, d'autres nous avons communiqué au bout de tirer, nous avons mouché des fruits, nous avons dit l'ol, nous avons fait l'Europe, nous avons dit tank, Marcel Tamini, nous avons dit le coton, tu as dit le coton, cher Nibaï, nous avons dit le coton. Nous avons dit le bout de tirer, mais nous avons dit le bout de tirer, nous avons dit pour nous dire que c'est une mythe. Docteur, déjà, wen bobo xamna ni non scientifique bi sax méroto prononcé mais naka la fi duggé ak ban impact lay am ci mango yi ba dilen yak wen bobo mi ngi tuddu Bactrocera dorsalis dan nak mom mi ngi juddo dekk bi nan end donc ñun xamunu naka la def ba xam ken ne Sénégal fi lañuy baye mango bu gëna neex ci aduna bi mu ñëw dugg fi depuis 2004 installé aussi sunu verger yi donc dan nak chaque année dina yaq entre 30 ba 60% ci production bi donc mëna dem sax au-delà de dina dem ba 80 ba des fois 100% ay casement sol lay non donc dan nak mom moy principal contrainte si développement filière mango ici Sénégal surtout exportation, surtout mais, exportation. Mais déjà wign bobu comme ni ko depuis 2004 mi ngi fi mi ngi bëgg yagg kon dafa melni dafa deuguer bop wala ñun ñoo amul ay stratégie yu bax ngir fagaagal ko bon wign bo dé jëflanti ak dara il faut que nga jang ka d'abord donc depuis 2004 il y a eu beaucoup de projets de programmes. Man mi nekkon na ndaw DPV direction de la protection des végétaux donc si ce projet PLMF projet de lutte contre les mouches des fruits dan nak ma yoron lepp li surveillance mouche bi si Sénégal yep dan nak même bu dan tej campagne bi si sunu ligue équipe bobu la dan jaar mais dan nak wagn bi mom bim fi duggé ak légui xex biñ ko biñ wara xex pour vraiment contrôler ko fagaagal ko fexé ba ñi kay bay ak ñi nga xamantene ne no ci yëngu mi exportateur yi transformatrice yi tout ça ñëpp gis ci seen bop xex bobu mom mo dess mais chaque année danaka état bi dina ci duggal loxom à travers DPV Ankar donc il y a beaucoup de formation yi nga xamantene ne ñi kay défal producteur yi ak yoy mais danaka xex bi mon modeste. Mais là, mon temps modeste, problème stratégie, le problème moyen, le, ou le bon, recherche du monde développé. Le moyen, car le moyen problème moyen. Là. Au cas les DFV, mon moyen, mon gang presque l'outil gagne pas de ci xex mu ñu bi mais dan nak doolem dafa xawa ñew tuti par rapport ak fléau bi ni parce que c'est un fléau. Voilà, Marcel. Docteur, justement, tu vois le frère Bobo Nono, dans le producteur du Monadef, il y a Sam peut-être des plantations par rapport à cet insecte-là. Donc, producteur, la première chose, bien que je m'en tenais, moi, il y a Arsenal, moi, nous c'est alco. Moi, nous ramasser les poules, il fait les bêpes mango bourrot. Parce que bon, quand les floraisons vont passer, ben nous, toi aussi, stade de petits fruits, garabi, tu vois pas. Sen yaay mom moy tan mango yi nga xamanteni mom lay continuer nampal day nak yenen yi da fay wad ci souf donc yoyu dañ len wara form soit nous détruire len dox ko jour bi wala nous sou len sul ko ci sen ronu yaay bu ko defé mu décomposer wu nek tos mais lol non bu ko ñepp defé meun na am sax problème wuñ bi ni du jok mais dan nak après bu stade petit fruit bobu nonu bu mango bi di commencer di ñor tamit mom wagn bi daf kay attaquer donc elle est là 12 mois sur 12 lay nak mango yi nga xamantene ne ñom no xay ci sen yaay daf len di jam bu nu démé ba neup parce que sen domi dom wagn bi ci bir la nek bu sen yaay nené ñom dañuy nek ci bir di lek mango bi légui bu nu lekke nak ba suu
ak sen ginaaw keur yi ni def ci biir mango bi mom moy indi neub neub bi mango bi wad legi ñom après dañuy tepp dugg ci souf ci au bout de 8 jours 8 à 10 jours après dañuy gennat mu joxe yenen wagn yu mag bi demat yaqat mango bi donc c'est un cycle continu malik ñu ñëwé ci mango bu ñu taxawé di ci wax ni c'est parce que dafa am lu nga xamni représenter nako ci walu fruits et légumes ñu melni plus de 63% amna lu nga xamni représenter nako ci réewum sénégal tay buñ doon xayma manam réewum sénégal ci mango ban doole le sénégal am ci sous région bi ak ci walu exportation non par rapport ak mango bi mom c'est maintenant, classé si fruits ils ont une haute valeur ajoutée. Par rapport à la sous-région ouest africaine, le premier pays exportateur de mangue, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, au maximum, ils ont 2 mois de campagne. Après, nous, au Sénégal, nous sommes top. Donc, que par rapport à la filière horticole, le mango, moi, le Sénégal, il est exporté. Il est mis de comme chaque année, il est 20 milliards de l'Europe. Parce que dañu gissone ni lu toll ci sojone par exemple 1 quart d'hectare producteur bi mënon na gagner bu yago ba 600 000, mais nenañ tay di 30 000 sax pour mu am ko ci problème la. Bon, lool ça dépend parce que lool lepp mi ngi dépendre ci rendement bi ci tool yi. Bo xolé baykat yi ndaw yi ñom no upp ci ñi bay mango, donc mën na xayma que ne rendement moyen bi ça tourne autour de 10 tonnes. Mais pour ay verger améliorer ñi am doole ñi, donc rendement bobu dina upp 20 tonnes. Donc lool nonu mom moy différence bi pour baykat bu ndaw bi mom bu dé am dara bu jaayé mango bi c'est entre 300 ba 600 000 pour ñi nga xamantene no gëna néwlé garbu mango ci sen tool. Mais bo xolé ñi nga xamantene no upp doole fi ni il gagne jusqu'à plus de 20 millions ci ben hectare mango. Mais dañuy mëna protéger sen ñom ñom am nañu possibilité pour ar sen mango. Alors docteur Faye, amna ben cadre bu ñu naan Siri Maoudi, système national innovant de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'Ouest. Manam du Sénégal kessel la sonal amna ñeneen, est-ce que cadre bobu dinañ ci tok di xalat xol ay peut-être solution yu efficace ngir mëna faire face à ça? Yow entomologiste nga da ngeen di jangat, est-ce que amna ay étude ngir jang mouche des fruits bi comportement ni muy doxale ba mëna out ben solution ngir contrecarrer ko fexé ba dootul yàqati mango yi muy Sénégal ak yeneen dëkk yi? Waaw, Siri Mao boobu nak moom mooy deuxième phase premier pilote bi nga xamante man jotoon naa ci liggéey. Daan naka ñoom def nañ ci ay jéego yu bari te surtout par rapport ak recherche bi am na ay résultat yu intéressant yi nga xamante ne jot na cee génn par rapport ak yenn technologie yi nga xamante ne dina accessible au petit producteur. Wante jangoro bi nga xamante ne moo sonal mango bi Sénégal moo sonal producteur mango yi nekk Gambie, Côte d'Ivoire, Nigeria, dans toute l'Afrique presque. Parce que ñu bi ñu fi duggé en 2003 c'était au Kenya, en 2004 dan nak dugg na ci dëkk yu bari. Dan nak benn dëkk la wagn bi sonal lool moy Afrique du Sud. Mais Afrique du Sud moom dan nak gouvernement bi ñoom dan ci dugal combu bu bari pour mën a xeex wagn bi ba contrôler ko ba fexe ba ñoom seen production nu mën ci gis seen bopp bu baax a baax. Léegi nag ñun loolu moo nu dese. Mais sinon par rapport ak le projet Siri Mao am na benn outil bu formidable bi nga xamante ne moom la CDAO mettre à la disposition des pays. Mooy benn système de surveillance. Donc fépp bu campagne mango bi tàmbalee xam nanu weñ bi fa la toll ak tamit nag la ñuy def pour fagagal. Mais daan naka suivi conseil yooyu noonu outil boobu résultat yi muy joxe yi daan naka producteur yi yu ndaw yi amuñu doole duñ ko topp. Donc daan naka weñ bi xam nanu les positions de l'ennemi mais rien n'est fait pour lutter. Mais est ce que amul problème coordination stratégie entre pays africains yi nga xamee ni ñoom ñoo am même problème? Bon, amul. Je pense que il faut une lutte généralisée xeex bi ñun ñëpp ko war a def. Parce que boo xoolee li nga xamante ne ne su ma jël exemple Côte d'Ivoire, Mali ak Burkina, daan naka ñoom ñett noo bokk même bassin. Donc weñ yi ñoom xamuñu frontière bu te dëkk yooyu daan naka ñoom noo bokk même période campagne. Léegi nag bu dee Côte d'Ivoire ñoom xeex nanu te Mali xeexul, donc weñ yi dañuy jugee Mali dugg Côte d'Ivoire. La même chose pour Burkina. Donc c'est la même chose pour nous aussi avec la Gambie ak Ely de Guinée ak Mali. Producteurs yi nan la ñu mën a def ba bénéficier wu justement ci protocole Fruit Fire Certified Trade boobu noonu?
Bon, le protocole bobu nak mi ngi ni nga déroulé won en 2021 à travers ben projet pilote bi tudon Green Valley. Bobu c'était avec des partenaires israéliens. Dan nak si Sénégal yépp jot nañ ci ar lu mat 2500 hectares. 300 hectares Casamance, 300 zone centre et la plus grande part zone des Niay. Dan nak ñi nga xamantene no jot ci protocole bobu nonu dan nak mango yi dañ don ñor ci seen yaay ba wad ba tabé ci souf té wéñ ju ci am yoon. Donc mu don ben fast test bu nous réussir té bo xolé tamit bokku na ci li tax Sénégal en 2021 mu battre record exportation bi. Est-ce que ci walum valorisation bobu lé est-ce que dessoul tamit touti ndax mënu len dimbali ci xex lolu ndax gis nañ ni mango bi ñun Sénégal liñ ci xam rek moy sam dagati to lek ak jaay bi alors que mën na nek ci produit pharmaceutique dañ koy utiliser produit cosmétique yi dañ koy utiliser gis nañ légui sax mango séché mi ngi am ak yenen ñeneen ñi dañuy ñew fi sax xagn na diko jël diko yobbu wat diko défarat ñewat diñu ko jaayé à des prix yo xamanteni yu gëna jéggi dayu est-ce que valorisation mango bi tam nekul ben ponk bu meuna japp ci xex mouche des fruits bobu du meuna jot ci mango yi wa valorisation bi tamit lol tamit benen problème la parce que bo xolé export bi moy gëna dimbali Sénégal mais bo xolé transformation bi dafa dess donc bo xolé mango dan naka kenn du ci sanni dara ci der bi ba ci sal bi sal bi meuna ci def beur ak meuna ko utiliser ci industrie pharmaceutique bi amna sama ben collègue bu ma partager won temps yele ben vidéo dan naka ki bi moy mango bi ni sanni bi ñun bo démé pays ba amna ben industrie bi nga xamantene na ñom dañuy def simili cuir donc sen matière première mom moy mango bi té tamit par rapport à la transformation aussi il y a plus de 50 produits yi nga xamantene sinon même plus yi nous mëna def à travers la transformation parce que lool moy gëna valoriser filière ki bi culture mango bi té c'est les gëna générer ay comment dire comme bi nga xamantene aussi bien producteur bi da ci gis bopam mais aussi yenen acteurs yi nga xamantene ñom no ci yëngu exportateur yi groupement de transformateurs yi cioli cioli cheikh moy li waral tay presque invitation bi sax moy suñu conteneur yi nga xamné union européenne bloqué nako tay yeen ci filière mang ñaata conteneur la te wax nga ni 2021 dafa amone manam exportation bu kawé mais 2022 bi dafa wañé ko lu waral wañé ko bi ak conteneur yoyu ñu téy ndax xayma ngeen ko donc différence bi am si volume yi Sénégal exporté entre 2021 et 2022 mi ngi jogé ci affaire si un peu changement climatique parce que dafa am ben retard ci floraison bi mais aussi am ben retard ci maturité fruit té aussi comme ñun ñëpp ñu ko constaté taw bi dafa té lañu nak pic bi nga xamantene moy pic population mouche dafa téle dal ka téle jot té bobu dal nak ni ngi suñu digg campagne té dal nak lolu non situation bu mel non bu amé normalement dañu wara tejj campagne bi mais dan nak buñ ko défé dañuy sonal exportateur yi ak petit producteur yi nga xamantene né dan nak li ni dundé li ci bari surtout ci zone Niay bi nga xamantene c'est la principale zone d'exportation li mango di duggal ci kom ak limuy dimbali famille producteur yi amul benen gantax bu koy def donc lolu motax ñu kiko mais sinon Sénégal mom siad yi ci ginnaw yep si élève yu bax yi si CDAO aussi la bokone donc 2021 on avait 4 interceptions mais ren mom nous avons au moins 30 interceptions de lolu lepp wagn bi nga xamantene ne moy mo fi duggu di nu xagn mango bi mom moko waral et ça amul procédure de contrôle fi d'abord bala ñuy dem bala ñukoy yobbu parce que lolu mom moy arranger ñep parce que buñu démé ba tejj frontière yi téré mango Sénégal bi ñep ci bâtir non contrôle bobu amna parce que bo xolé DPV mi ngi ci def vraiment djégué yu bari mais dan nak moyen mom moko ci mais tamit nul n'est parfait des fois dina am ay fruit yu rich té lolu nonu dan nak par hasard boudé si conteneur ou exportateur bi ki nañ ko gis nañ ko ci dan exportateur bi ñak na conteneur am bobu donc li ci gëna graw ren ji ni moy dan naka amna si ay ponkal yi nga xamantene dan naka ñom no té sen loxo exportation bi ñoñ la interception yi gëna toucher ren ji ni parce que ñom duñu yonné par ben par semaine wala ki ay 5 ay 10
te yow bo yone 10 wala 5 bu ñu gisé ben conteneur bu am way ñak nga yaq réputation yene mortale bi wa li yott Sénégal docteur moy embargo ken ñaanu ko yalla nak mais li ñuy yott moy union européenne moy am embargo ñu ba du ñu mëna yobbu suñu mang diko jaay fofu xam nga lolu dalon na Côte d'Ivoire té mu nékkone ay jafé jafé yu reuy ci petit producteur yi wa lolu nonu il faut état bi duggal ci loxom pour dimbali les petits producteurs avant peut-être ñuy disparaître est-ce que lu mel nonu mën nañ ko ñort mu dal Sénégal ak yane pexé lañuy tek pour djéma fexé bu lolu dal buñu dalé état bi duggal ci loxom di laaj également ci mango bi parce que dafa am Birane Diop ak bu ko djéxal mousse bi mom yane la gëna ñëmé ci mango yoyu ak kent lañu ëpp luñu exporter dafa mel donc par rapport ak risque embargo bobu dan naka ren gi ni Sénégal situation exceptionnelle lay dund parce que interception bi liñ ci am ren mësnu ko am dalon na Côte d'Ivoire comme niñ ko waxé nous xagn len accès marché Union européenne pendant 2 ans mais bobu état ivoirien mom mo duggal xaliss bu bari pour que nous engager lutte bi donc ñun lool lañuy xaar ci Sénégal donc dan naka comme nima ko waxé ci ndjal ben xex bi lañu defagul mais situation li xew ren ak embargo bi nga xamantene mom la Union européenne di menacer Sénégal té bu nu dalé mu don lu tiss parce que ça va toucher des millions et des millions de personnes donc lool non ñaanu ko mais na état bi c'est un appel que je lance au nouveau ministre surtout monsieur Aliou Ndiaye pour que vraiment état Sénégal mu duggu mu jappalé DPV ANCAR ak direction de l'horticulture ak ñeneen partenaires yi nga xamantene né ni ngi yëngu di jappalé baykat yu ndaw yi nu gën leen yokku ci doole voilà docteur amna ño xamé ni pour xex mouche yo dinañ dem ba utiliser ay produits chimiques est-ce que lolo pesticide dem ba jural ay jafé jafé nit ñi ci walu consommation bon pesticide yi mom baxul donc danaka man mom lepp li nga xamantene mom lay xelal ñi nga xamantene ñom no may jégué pour ma xelal len pour sen tool yi danaka man lepp li produit chimique dan kay éviter danaka légui nous on parle de transition agroécologique donc lepp li produit chimique bio waaw parce que tamit bo xolé ci interception yi des fois meuna nek wéñ bi mais des fois aussi boudé ben opérateur utiliser na ben produit chimique buñ ko ko sen analyse yi feñalé conteneur bobu tamit dugg parce que dafa am li ñuy wowe limite maximale de résidus de pesticide amna ay pesticide yi nga xamantene Union européenne nangul nako producteur ki exportateur mango yi utiliser ko mais dafa am ay seuy se yoy boko bu ko di wesso rek dan naka mango ngi dugg Alors, Aladj Malik, dernière question sur la mangue, parce qu'il faut que nous ayons une question sur le coton avant nous. Parce que Dream Valley Sénégal, il y a une initiative du Mendil pour encadrer les producteurs. Parce que la mangue, si on peut exporter, elle est très importante. Quel impact a-t-il aujourd'hui que nous avons 30 conteneurs? Est-ce que nous avons une question ou une question? Bon, Dream Valley mom c'est un projet qui est global donc dans notre initiateur bi c'est un israélien il est le docteur Nimrod Israeli koku mo ñewon 2021 lancer le premier pilote Green Valley on nous permet si la arrêt won 2500 hectares yoy non donc amna tax ay témoignage yu ci producteur yi def donc wante nit yu mel non partenaire yu mel non da fay laaj vraiment sun état bi duggal ci sen loxo ñu jappalé len parce que ñun li nga xamantene mom moy wéñ bi nga xamantene mo ñu sonal bien que ñun def nañ ci djégo yu bari par rapport ak recherche bi et tout mais dan naka solution bu nga xamantene né efficace na té mëna dimbali producteur yu bari dan naka yalla ci loxo israélien yoy la ka jallalé donc je lance ici un appel au gouvernement pour que vraiment nous créer les conditions pour que Israël y ait mené une au Sénégal parce que quand vous nous avez accès pour vous parce que nous si Diego y ait à quoi Israël à quoi DPV donc vous devez finaliser notre
pour le Sénégal, mais aussi pour toute la région ouest africaine. Nga xamantene dañuy dépasser problème wéñ bi dog attaqué nak yeneen challenge yi nga xamantene mo mi ngi doon laccé sang xétu mango yi wéñ bi gëna lëjël. Bon, au Sénégal nak il y a plus de 20 variétés qui sont cultivées. Et bo xolé ñu ci bari kenté bi la ñu xam parce que mom la exportation bi concerne. D'accord. Mais man par rapport ak sama collaboration yi may def yek sama partenaire israélien ak ñenen et autres. Donc ñu dañ lo pour valoriser toutes ces variétés. Donc lool mo ni permettre nous am une disponibilité 12 mois sur 12 et c'est bien possible. Donc au Sénégal amna ay mango yi fi ñor au mois de février. Donc jusqu'au mois de septembre, octobre. Mais lool nonou boudé valoriser nañ ko jox nañ ko gëddam bi tout vraiment dina yoy ban xétu mango la bu ko jéxal la wala papaya bi nga xamantene mom moy wala djéb bu gatt wala ban bi nga xamantene mom moy ñor février mom c'est une variété bi nga xamantene Thaïlande la joggé bi ñu tuddul nam dog may mais amna yenen ay greffal yi nga xamantene yoy avant taw bi di ñew avant wëñ bi di slay ñor mais dan nak variété yoy nonou valoriser wuñ len té bo xolé nonou la amé importance parce que amul fibre comme kenté bi té tamit non la nexé voilà ci walum gunoor yi ñu ngi wax bo ba légui ci wéñ bi moy amna yenen meññef yo xamné itam gunoor yi la jël na len wicc lu ci melni coton bi Marcel mi ngi ko don wax ben chenille ak dugub bi tamit gis nañu ñenn tamit yu bay ci bori kafri ñom tamit sonal na len lool lool tamit ndax même chose la ci walum ñak efficacité xex bi la wala ñak xam bu baax xétu gunoor yoy la bat wala ñebbe ji bari na culture bon dan nak lepp sa lepp lu ñuy bay amna li nga xamantene ne mo koy yak mais par rapport ak coton bi ak mil bi dan nak li yoy di len di attaquer ñom fi lañu juddo donc amna ay cortège dénominateur yi nga xamantene ñu len di réguler mais aussi bu amé attaque bu ko wa DPV yegé dan nak ñom dañu dem def ci intervention DPV sen moyen dafa limité par rapport à ampleur dégâts yi tamit il faut ñu gën léne lool motax vraiment nous lancer vraiment un appel au ministre pour que vraiment mu dolel DPV parce que vraiment il y a ce sont des professionnels qui sont là-bas mais dan nak moyen mo len manqué voilà justement dernière question avant ñu diéxal xam nga ni jamono ji période récolte bi paysan lu muy gën a bañ a dégg mooy criquet pèlerin est ce que tey le Sénégal est à l'abri d'une telle menace ak est ce que au niveau des directions manam njéréer yi jël ngeen ñu matuwaay yi war bon bu dee njéréer yi moom daan nag am nañ si expérience bu rëy Sénégal te je pense que am na système bi nga xamantene ne Sénégal bokk na ci bi nga xamantene mooy dajale dan naka dëkk yi nga xamantene fa la njéréer yëpp di juddoo ak tamit di fa yàq donc am na ay outils yi nga xamantene ne développé nañ ko pour mën a topp population criquet yooyu mais dan naka ñoom fi ñuy développé woo dan naka si désert la mais boo xoolee par rapport ak suñu désert bi nekk en Afrique de l'Ouest affaire terrorisme bi moom moo tax dan naka prospection yi état yi doon def à travers seen service de protection des végétaux yi dan naka mënatuñ ko mais léegi ak yeneen outils yi nga xamantene ne kii nañ ko mën a def ay simulation par rapport pour xam kii bi mais dan naka pour njéréer yi moom am na ay solution biologique yi nga xamantene ne développé nañ ko tel que le métallisium acridum donc boobu c' est un champignon bi nga xamantene fii lan ko isolé Sénégal te efficace na trop si criquet yi moom daan naka champignon boobu tamit testé naa ko si weñu yi yàq mango bi daan naka loolu loolu laa liggéey man si sama thèse daan naka champignon bi dafay rey mouche adulte bi mais aussi dafay topp doomu weñu yi ba si biir mango bi seen yaay c' est à dire transmission verticale bi mooy comme transmission mère à l'enfant donc champignon boobu daf koy def par rapport ak weñ bii nii donc loolu mais par rapport ak produit boobu noonu ak transfert technologie bi nu war a def bi daan naka moom moo pareegul
pour nous mën ke yobul producteur yi. D'accord. Mais dans la recherche bi Sénégal fi mom dans nak ni ngi ci liguey bu baax ak wa Isra ak yenn partenaires tel que le Coraf ak yoy. D'accord. Merci beaucoup. Merci docteur Pape Djibril Faye, nek entomologiste spécialiste en protection durable des cultures et de l'environnement. Ñu ngi lay sante di la gërëm bu baax baax. Du ñak Cheikh Tidiane xamna benen yoon inshallah comme entomologiste la dina waxtan ci ces insectes qui nous mènent la vie dure muy ay ñomine ngot ak ñomine punaise des livres ak ay ñomine mutt lañ koy waxé wala ak xéet yoy nonu mbooti mom tay dañu commencé ak mbooti du ñak yeneen waxtan dinañ ci jotay dinañ ci waxtan ak docteur Faye. Merci docteur. Merci. Bonne journée à vous. Ñu jall ci xëtt yu ñëk yu l'observateur ak journal record.